une nuée d'insectes autour de moi, alors oh là là, faudrait venir plus en automne. Là, le printemps, là, juin, là, il y a trop de bébites encore. Avant que Killarney ne soit relié au monde extérieur par la route en 1962, ça fait pas longtemps, tout le transport s'effectuait par voie d'eau. Ce poste de traite de fourrure, fondé en 1820, devint par la suite un village de pêche florissant. C'était aussi une région algonquine, c'est pas écrit, mais c'est un pays, une région qui était complètement habitée par les Algonquins. Alors, il y a des écritures sur les pierres. C'est un endroit où ils vivaient, quoi. C'est là des marques rouges, noires. Il faut bien vérifier. C'est pas toujours reconnaissable facilement, mais il y a des écritures autochtones. Ici, on a de la belle grosse roche, roche rouge qui provient des rochers rouges. C'est beau, hein? Ah! Oh. C'est magnifique. C'est dépaysant. Même la route contient des belles petites roches, c'est tout brillant avec du micro au travers. Tout est beau. Je trouve que c'est un lieu féerique. C'est pas pour rien qu'il était déjà habité par les Algonquins. Il y habite encore aujourd'hui aussi. Il y a des boutiques aussi pour les soins. Ça, je trouve ça cool qu'on commence à faire ça. De soins amérindiens. Il y a beaucoup de gros cailloux. Hein? Ah, intéressante. C'est quoi cet arbre-là? Ah. Fantastique. Profitons-en pour regarder la mer et les cailloux. Je suis tout abrié, mais c'est à cause des maringouins. J'ai diminué les places d'attaque. Alors, ce que j'ai envie, c'est de me relaxer. Il faut que j'attende un peu aussi avant d'aller à mon camp, parce qu'il y a encore quelqu'un dessus. Donc, on va regarder ces beaux cailloux-là. Et le bord de mer, les vagues. On va se relaxer. Ah, je dormirai très fait à Camac, là. Un petit quartz. Un peu rosé, non? Un beau jaspe. Très rare ça au nord, alors qu'ici c'est plein. Ici c'est quasiment juste ça. En bord de mer, les aventurines blanches prenaient une petite teinte de jaune. On a un petit quartz. Alors, en bord de mer, faut regarder dans les endroits que les gens regardent pas. Entre les roches, faut s'asseoir, faut fouiner, faut prendre le temps. Elles sont pas plus belles que mes roches au nord, sauf qu'elles sont déjà toutes roulées. Il reste juste à les polir. C'est pas génial. Normalement, ça peut me prendre jusqu'à 2 mois pour rouler une pierre nordique.
C'est fabuleux, j'ai plein de photos, ça j'aime beaucoup. C'est quoi ça? Belle grosse planche ici qui a pas de faire là. Magnifique cette planche là. Déjà toutes les belles couleurs. Je l'amènerai bien avec moi. J'avais un auto plus grand. Avec tout le pollen jaune qui colle sur les pierres, ça leur donne un look vraiment typique puis rare. Ici, on a un quartz. Ici, une aventurine. Ça fait ta virée de bord. On continue. Oh my God. Un quartet avec du verre. J'ai envie de m'asseoir ici puis de creuser un peu. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Ah, un beau petit cristal rose ici. Regarde-moi ça, tout ce beau clavier là. Hein? Ce serait beau dans mon entrée, ça, dans la vôtre. Attention, il y a de la vitre, comme d'habitude. Quartzite.
Jasper marbre. Quartzite. Ah, ça brille, ça. Peut-être une tourmaline. Elle n'a pas l'air très friable. Donc c'est pas nécessairement du mica. Tu vois comment elle brille? Tourmaline noire ou quelque chose de semblable ou du charbon fossile. Quand même très dur. Ça faisait du jet dans ce temps-là quand c'est un charbon fossile. Moi, je vais l'emmener celui-là. Celui-là, il part avec moi. On a d'autres choses hein, spéciales. Ils sont toutes spéciales. Alors ça, c'est toutes nos belles montagnes rouges qui se sont défaites. C'est des choses qui se trouvaient dessus, autour, en dessous, et les montagnes rouges, évidemment. C'est pour ça qu'il y a une grosse quantité de granit rouge-rose. C'est un calcite. Tout ça, là. On le voit ici, là. Ça, c'est les roches de base. Alors, la baie géorgienne, c'est une baie marine, anciennement marine, qui est devenue de l'eau douce. Je sais, j'ai goûté à l'eau pour voir s'il y avait encore un peu de sel dedans. Puis, il n'y en a plus. Il n'y a plus de sel. C'est fini, le sel. Ça, c'était un beau petit quartz, ça. C'est encore un beau petit quartz. Petite aventure verte. Vitre. Ah, un petit peu de péridote en jaspe. Ici, le péridote est plutôt rare. Les pierres vertes sont rares, et les pierres rouges sont moins rares. Les pierres transparentes sont plus rares aussi. Il n'y a pas tant de quartz que ça, là. Le quartz devient rare. Quartzite, ça, c'est pas rare. Il y en a tellement, vous avez vu, c'est des montagnes entières de quartzite. Et on tassait des grosses pierres. Ah! Ici, on a une petite pointe vieillotte de quartz. Très intéressante. On met notre pierre à sa place. On en retasse une autre. Tiens. Je fais quoi? C'est-tu vert? Je
pense que c'est un petit peu vert, mais pas bien vert. Donc, ça, c'est blanc. Puis ça. Ah, c'est blanc aussi. Ah, un autre petit quartz bien dur. Ça, je l'apporte. Peut-être des petites pierres fines. On a parfait des pierres fines. Ah, du soleil. On va y aller. Il y a du soleil. Là, on est bien là. Quand vous êtes en bord de mer, comme ça, vous pourriez prendre une poche de sable assez creuse. Ah, j'ai quelque chose de pas pire. Bon, ça a été plus vite que j'imaginais. On enlève les grosses. Et puis là, on prend notre poignée. Et on se dit, qu'est-ce qui est transparent? Qui est pas pire, puis que je pourrais garder. Tiens, on a quelque chose ici. Qu'est-ce qui est transparent, puis qui brille? Parce que du quartz, on a beaucoup, hein? Et si en plus, ça ressemble à du quartz, mais si en plus ça brille, ça n'a pas besoin d'être gros. Alors, on en prend plusieurs. On met ça d'un petit plot. D'un petit pot de pilule. Puis on va analyser ça ensuite. Étant donné qu'il n'y a pas d'agate, qu'on a juste granite-riolite mélangé avec le riolite, le granite, c'est à l'intérieur du granite, on a du feldspath, on a du basalte, on voit une roche là, gris bleu, et du quartzite. On a beaucoup de quartzite ici, blanc et rouge. Très peu de jasper. D'un petit peu, mais très peu. Donc, étant donné que c'est assez homogène, j'ai envie d'essayer de continuer à faire comme si je cherchais des pierres précieuses et qu'on voit les résultats plus tard. Je creuse comme ça. Je ramasse tout ce qui est transparent. C'est poussiéreux, là. Il y a des choses dedans qui sont transparentes, qui sont pas nécessairement... C'est pas nécessairement évident. Alors, j'enlève les feuilles, hein, pour vous rappeler. Comment je fouille des montagnes au nord, j'enlève les feuilles, simplement. On n'arrache aucune plante. On fait ça écologique, on ne dérange rien. On a notre sable ici. On enlève les gros morceaux inintéressants.
On va se faire un paquet de ça. Là, ici, il n'y a pas d'œufs de tortue, il n'y a pas d'animaux, rien. Ah, tu vois. Et là, je vais commencer à ramasser les choses les plus transparentes que je vais voir ou les plus brillantes. C'est presque un jasper, mais pas tout à fait. Ça, par exemple. Ça, c'est une petite chose, là. Ça, peut-être. Je vais essayer de ramasser des couleurs différentes. Même si je ne suis pas sûr que c'est brillant, parce que je sais que quand c'est mou, très mou, les pierres précieuses, ça se polie très difficilement par la nature. Alors, elles vont être mou. Mais on sait qu'elles sont transparentes. Puis parfois, elles vont briller juste si on les frotte. Alors, on peut les frotter, par exemple, sur son pantalon. On le mouille un peu, on le frotte, jusqu'à ce qu'il soit bien sec. Là, s'il est bien sec puis il brille, il y a des bonnes chances que ça soit précieux. Il va avoir un beau lustre à ce moment-là, si c'est précieux. Mais ça se peut aussi que ça soit complètement mort. Prenez le temps de bien regarder, par exemple. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Quand tu sors d'aliment. J'espère pas des chiens. Un beau quartzite rose. J'ai remarqué que si les gens, ils ne regardent pas les pierres, ben, ils en ramassent un peu pour leur maison, quasiment chaque maison en a. les commerces aussi, il y a des belles pierres un peu partout. Mais il n'y a pas de rocanding. Je pense que le rocanding, il n'est pas trop légal, je sais pas. Ça dépend où. Faut que tu ramasses tous tes cailloux roses, parce qu'à un moment donné, on va avoir juste des cailloux gris. Ça sera plus représentatif. Et ce que j'ai vu à date, des gens qui veulent aller à la pêche, courir, faire du sport, ils se baignent pas. Ils ont toutefois, je sais pas. Il fait très chaud les deux premiers jours où j'étais arrivé, puis j'étais seul à m'être baigné. Il n'y avait pas personne sur la plage. La plage était complètement vide. Peut-être pour eux, cette eau-là est sale. Mais tu sais, il y en a ceux qui viennent de je sais pas moi, des villes. Pour moi, l'eau est propre en maudit ici, là. Très propre. En tout cas, je sais pas, c'est pas pollué. Hein. Des fois, c'est transparent, puis il y a de la merde quand même dedans. Je suis pas au courant de tout ce qu'il y envoie là. J'ai des réactions. Je me suis baigné les jambes. J'ai des réactions aux jambes, je vous dirais. Puis s'il fait beau demain, je vais probablement aller me baigner dans le petit lac. Lac Georges. Pas grand-chose de couleur. Hein. Il y a peut-être du rose ici. Il nous reste pas beaucoup de transparence non plus. Pour l'instant. Pas de grenat. Il y a des traces de grenat. Un certain quartzite. Il y a des grenats qui sont trop tendres, qui se défont. Juste une petite poignée de cailloux comme ça, ça ne dérangera pas personne. Ça pourrait être très rude aussi, d'apparence très rugueuse, une pierre précieuse. Vu que c'est très dur. Ah! Il y a des petites choses ici. C'est pas habituellement, c'est pas gros. Habituellement, mais vous devriez être chanceux si c'est gros. Éliminez-les pas juste parce qu'il est gros. C'est pas la bonne raison. Non, là, je suis pas mal sûr, c'est des quartz, mais des fois je le prends pareil. Parce qu'un béryl, un topaz, ça ressemble tellement à du quartz. C'est difficile à distinguer. On les distingue avec le détecteur quand on l'accote dessus, puis ça fait bi 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 bi. Ici, ça vient rouge. Ça peut-être, tu vois.
Ça, ça se peut, ça. Que ça soit précieux. Il y a des possibilités. Là, précieux, c'est peut-être un petit grenat rose, là. S'il est rose, j'en ai aucune idée. On continue. Pensez-vous que je vais être chanceux? On commence à avoir des touristes. Je vais m'en aller bientôt. Puis, on va voir le résultat à la maison plus tard dans une autre vidéo. Quand je vais être au campement, dans ma tente, je vais faire les montages. Puis, j'aurai pas beaucoup d'internet, là, en fait que je les enverrai pas en ligne tout de suite. Vous allez avoir ça, vous, beaucoup plus tard. Avoir des vidéos préparées juste pour vous. Je suis fin, hein? C'est gentil. Un voyage. Je me suis dit, ça prend au moins un voyage. Moi, j'ai droit à un voyage par année, une vacance par année. Alors, pourquoi pas un voyage géologique comme ici? C'est fascinant. La faille transcanadienne. Il y a du grenat dans le lac Ontario. Il y a des pierres précieuses. Ici, c'est plutôt un... C'est pas, je voulais un accès à la mer. Facile, le plus proche possible du nord. Fait que ça se trouvait parfait. J'ai fait un détour pour aller voir des amis, mais ça m'a pris 10 heures, mais sans détour, là, ça peut se faire en 9 heures pour aller à la mer. À la mer d'eau non salée, là, au Grand Lac. C'est le coin le plus rapide, disons, à partir de l'Abitibi pour aller au Grand Lac. Que vous soyez de Rouen, Val-d'Or, Amos, Lassar, même Ville-Marie, Témiscamingue, là, c'est ce plus rapide. Si vous voulez visiter les Grands Lacs, vous allez à la baie Georgienne. Sinon, vous prenez votre temps, il y a des gros détours à faire pour pouvoir aller. Là, j'enlève aussi la vitre. La vitre. J'ai vu quelque chose, que je ne sais plus ce que c'est où. Du blanc avec du rose. Ah, regarde. C'est joli, ça. Je sais pas c'est quoi, mais c'est joli. Probablement de l'aventurine encore. Une petite pointe, peut-être, de quelque chose. Dans mes rêves. Bon. Fait que moi, je vais m'arrêter là-dessus. Parce qu'il faut que j'aille monter mon campement. Il y a des risques de pluie aujourd'hui. On a eu un petit peu. J'aimerais ça pas avoir à le monter pendant qu'il pleut. C'est plein de petits trésors hein, quand on regarde comme il faut. Plein de petites choses transparentes. Beaucoup de cristaux de quartz quand même. Et de quartzite. Pour ceux qui aiment la quartzite. Comme ça ici. Je pense bien que ça me l'est. Ça, c'est de la quartzite à coup sûr. Plus c'est transparent, normalement, plus que votre pierre, elle est dense. Donc, elle risque d'être précieuse. Quand elle est pour transparence, c'est le problème du quartzite, là, naturellement. Quand c'est ici. La vitre. Un autre bout de vitre. Je vais sortir en même temps. En même temps que je vais enlever. Ah, ça peut-être. Je suis pas sûr. Je suis pas certain de rien ici. Là. Je ne suis pas habitué. Je vais voir avec ce que je connais déjà. Dans une géologie tout à fait nouvelle. Mais il y a des similitudes, parce qu'il y a des dessous de montagne, il y a des gros rochers, il y a des choses qui ressortent du dessous. Ça, tout ça, ça ressort du dessous. C'est pas tant ce qu'il y a dans le granit qui m'intéresse, mais ce qu'il y a en dessous. Dans ces veines aussi, parfois, quand on voit des beaux quartz, des grenats,
c'est aussi ce qu'il y avait avant. Mais ici, il y a tellement de granit qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose avant. On va voir. Avec les pieds, là, t'enlèves toute la corne. Avec les mains, ça peut les user. Faut pas trop faire ça longtemps. Sinon, vous aurez plus de peau sur les doigts. Une poignée de bois pour allumer mon chauffage à soir parce qu'on va geler. Et j'ai ramassé des cochonneries achetées aux poubelles en passant. À suivre.